Thomas ici. Puis on a Eneva qui colorie sur maman. Est-ce que tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. C'est qui? Bonjour, vos abonnés? Coucou. Donc, multitâche ici. On va peut-être voir mon boobies, excusez. Tata! Fait que le matin, c'est mes moments préférés parce que c'est là que je suis le plus en forme. Et Thomas, c'est là qu'il est le plus tranquille. Et Eva, c'est là qu'elle a le plus de bonne humeur. Fait que tout le monde est joyeux le matin, ça va super bien. Puis c'est ça. Hier soir, on a eu une soirée très, très, très difficile avec Thomas. Il a pleuré de 7h à 11h le soir. Puis vraiment non-stop, comme on ne savait plus quoi faire. Pour que finalement, Mathieu s'est rendu compte qu'il était constipé, fait qu'il a fait faire le BC. Puis tout a finalement sorti. Pauvre petit cœur. Fait qu'il a souffert sa vie toute la soirée. Puis, tu sais, c'est ça, moi, c'est dur avec ma cicatrice. Je peux pas me promener puis le brasser là, pour soulager ses coliques. Fait que je me sentais vraiment impuissante hier. Fait que ça nous a fait monter des petites émotions. Mais là, ça va. Puis, si vous vous demandez si Eva s'intègre bien, ça va super bien. Tantôt, je l'ai pris. Ben Mathieu me l'a mis sur moi. On a pris une belle photo. Je vais vous la mettre juste ici. Fait que c'est ça. Je suis trop contente de ce petit moment-là. Pour vrai, j'avais envie de pleurer. Ça m'a tellement fait du bien de prendre mes deux bébés. Puis, il me semble toucher ma fille. Là. Ah, ça m'a vraiment mis un petit bombe sur le cœur. Hein, ma fille? Fait que c'est ça aujourd'hui. Plan de match, c'est quoi, Matt? Meal prep. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de vlogger. Je vais vous montrer une petite journée post-césarienne avec un bébé de 5 jours, un bébé de 17 mois et Mathieu à la maison. Donc, on va faire du meal prep aujourd'hui. Ben, on exclut la personne qui parle. Mathieu va faire ça, puis c'est ça. On va vlogger ce qu'on va préparer. Habituellement, pour les nouveaux parents, je conseille de le faire avant. Mais là, vu que c'est notre deuxième, on est bien rodé là, en ce moment. Là. Fait que Mathieu, il a le temps de le faire. Puis Eva, c'est ça. On va aller l'apporter à un moment donné, là, quand on va être prêt. Donc, voilà le petit update du matin pendant que Thomas boit son lait. Puis, excusez, ouais, pour mon décolleté. ma montée de lait, en passant, va super bien. J'ai pas trop mal. C'est pas trop engorgé. Je stimule zéro. Fait que ça passe bien. Ça se passe bien. Ouais. Fait que je vais souhaiter que ça reste comme ça. Je sais pas jusqu'à combien de temps ça peut durer de monter de lait, mais à date, 5 jours post-césarienne, j'ai mal sur les côtés puis au thorax, mais tu sais, ça, c'est pas,
c'est pas ça qui m'empêche de dormir, là. Fait que ça va être très bien. Donc, on se reparle tantôt. Donc, voici ce qu'on a à apprendre en post-césarienne. Je peux pas vous le pointer, mais c'est ça. Un naproxen, deux Tylenol, deux Colas et mon citalopram. Donc, beau petit cocktail que j'ai à prendre. Je le prends avec un smoothie Evive, mon café. Donc, voilà. Il y en a une très tannante. Bye bye. Bye maman. Bye, bonne journée. Bye. Oh, moi. Je t'aime. Donc, je vous montre mon corps postpartum. Et voici ma bed après 5 jours post-césarienne. Donc, voilà. Et toujours des bobettes assez hautes. Brassière avec des pattes dedans. Puis. Est-ce que t'as besoin du signe? Non. Je vais montrer mon corps postpartum. Je mange des steaks à soir. Ah, ouais? Toute cette meal prep pour manger des steaks. Ben, tout va être prêt. Ok. Fait que c'est ça. Le petit ventre est gonflé encore. Ça va être bien. C'est trop pas bien. Je chante vraiment dans ma vidéo, c'est chic. Donc, c'est l'heure du dîner. J'ai mis Thomas ici sur son transat. On a une soupe riz et tomates, ça. Et accompagnement de pain de ménage et fromage. Fait que l'avant-midi a super bien été. Fait qu'après ma douche, tout ce que j'ai fait, c'est bercer Thomas. Puis voilà. Donc là, il y a le petit hoquette, le pauvre. Correct? Oh. Fait que je me dépêche à manger avant que monsieur se choque. Bon, donc il est 1h de l'après-midi et je m'apprête à faire un peu de soit de montage ou ma sieste. Donc je suis timée comme ça, comme mon bébé. Et dans le fond, là, Thomas, vous l'avez vu dans son transat, puis là, il est en train de tranquillement de s'endormir là-dedans. Fait que je vais le laisser là-dedans. Je vais essayer de voir si il est capable de s'endormir. Sinon, Mathieu va me l'apporter tout simplement à côté de moi. Mais pour l'instant, il dit pas un mot. Puis il regarde la lumière. Puis il est comme... je le vois, là. C'est pour ça que je regarde de ma chambre. Mais c'est ça. Inquiétez-vous pas, il est full en sécurité. Là. Mais ouais, je veux qu'il s'habitue aussi à comme être relax. Et tout seul, même si sa bébé a besoin de beaucoup, beaucoup d'être collé sur sa maman. Ben tu sais, on veut tester des choses qui fonctionnent pour lui. Pour l'instant, le Snuggle Me marche pas, puis la balançoire non plus, fait que le transat de Cory fonctionne super bien à date, fait que on va, on fait des tests là. Donc moi c'est ça l'après-midi, je viens souvent me coucher comme ça dans le lit, donc j'ai une autre oreiller comme ça, les jambes relevées. C'est la position que je suis mieux. Fait que l'après-midi, je tombe un peu plus fatiguée, puis je veux comme me reposer le plus possible avant l'arrivée de l'autre petite tornade. Et ben, on va la chercher souvent vers 4 heures, fait que c'est ça. Là, je vais tomber, je suis tombée un peu fatiguée, fait que je vais vraiment relaxer. Puis c'est ça, voilà, après le dîner, ce qui se passe. Mathieu est en gros meal prep, là. Je vais vous montrer ça tantôt, là. Il est parti, je pense qu'il fait 4 recettes, là. Fait qu'il s'occupe comme ça. On n'est vraiment pas habitués, nous, d'être slow dans la vie, là. Vous le savez, là, vous nous suivez depuis bientôt... ça fait bientôt un an que je filme, là.
C'est ça, on n'est pas habitué de rien faire. Mais pas de rien faire, là, tu sais, un nouveau-né, c'est vraiment prenant, puis ça prend toute notre vie, là. Mais c'est ça, on n'est pas habitué de prendre ce slow, fait que le Matt, il est dans un gros projet. Et il recommence déjà à travailler la semaine prochaine, fait que là, il veut faire full meal prep, puis s'il a le temps, il va tourner la pelouse aujourd'hui, sinon ça va aller à demain. Donc, j'arrête de vous parler et on se revoit tantôt. Bon, il est 3h30. J'ai fait un beau dodo de 1h30 à peu près. Mathieu m'a réveillée. Quoi? Ça repart. Ah, mais je me suis couchée à 1h, mais je me suis endormie par 1h30. Puis, le mat, lui, ça va-tu bien? T'as mal prep? Ça cuisine bien, ça avance. Ils viennent de starter la sauce à spag, fait qu'on s'apprête à couper les légumes. On en profite parce que Thomas, il dort encore. Il a dépassé son 3 heures de boire. Fait qu'on va le laisser dormir. On en profite. Mais voilà la sauce à spag qui est en cuisson. Et qui reste à ajouter les légumes. Donc, nous, on fait tout le temps une grosse batch là, avec un gros chaudron de 15,14 litres. Donc, quand on fait ça, on a pour 4 mois à peu près de sauce. À peu près, hein, Matt? Ouais, c'est moi. C'est à peu près ça. Donc, on fait toujours ça en grand. Et c'est la recette à ma mère, puis je peux pas vous la laisser, malheureusement, parce que c'est une recette de la grande. Mais on l'a pimpé. Mais on la pimpe. Ça, c'est avec sriracha et sambal oelek, parce que nous, on aime les sauces épicées et pas du tout sucrées, la note. Et si vous aimez ça sucré, c'est sûr que la note vous convient moins un petit peu. Mais c'est ça, je peux pas vous dire exactement les ingrédients qu'on met dedans parce que c'est confidentiel, malheureusement, à cause du restaurant à ma mère. Donc, voilà. Si vous venez de la région puis que vous êtes curieuse de l'essayer, allez acheter un plat de sauce à spag à la côté. Vous irez goûter, c'est vraiment, est vraiment bon. Bon, puis c'est ça. À part de ça, qu'est-ce que tu as fait, Matt? Des croquettes au saumon? Des croquettes de saumon, des filets de porc, une casserole de riz, puis je vois pas de lasagne. Voilà. Fait qu'on va être bon pour un bout. Je vais vous montrer le livre qu'il utilise. Fait que Mathieu s'est commandé ça sur Amazon. De pratico-pratique, c'est vraiment les éditions qu'on aime le plus. Une semaine de bouffe en 2 heures, la bib du meal prep. Donc, il y a plein de recettes, salades, des bols faits d'avance, des salades, soupe. Voilà. Donc, il y a tout... fait qu'il a choisi ses recettes, puis il a tout fait ça aujourd'hui. Fait que, on est bien contents. Fait que c'est le genre de livre qu'on va servir souvent. Là. Lui, puis comme lui ici, là, pour les soupers de semaine, là, le 5-15 comme ça, là, ultra facile. On l'adore vraiment. Là, lui, là, si vous le voyez à l'épicerie, ramassez-le. Il est vraiment le fun. Puis les recettes sont toutes approuvées. Puis super simple aussi à faire. Fait que voilà.
des belles croquettes sous vide au saumon, déjà prêtes. C'est merveilleux. Ça prend pas de place dans le congélateur, là. Donc, Thomas vient de boire. Puis, c'est ça. J'attends que Matt revienne avec Eva. Il est parti la chercher. Après, on va sortir dehors un petit peu sur le patio. Il me semble que j'ai besoin de voir le soleil. Là. Donc, je vais habiller Thomas et Eva. Ben, elle va être déjà habillée de la garderie. Donc, on va aller jouer un petit peu dehors avant qu'elle soupe. Puis après, on va entamer la routine du souper. On s'est fait un... Là, j'essaie de vous montrer, là, je suis loin. Un thé, moi puis Mathieu. Dans le fond, c'est un thé stimulant. Donc, il y a de la caféine dedans pour nous aider à passer au travers de cette soirée qui, d'après moi, ne sera pas facile parce que c'est ça. Mais Thomas, aujourd'hui, il a encore mal au ventre un petit peu. Donc, d'après moi, plus ça va aller, plus... Plus il va avoir mal au ventre, donc on va se préparer au pire pour ce soir, puis voilà. Fait qu'on se reparle une fois que toute la famille est réunie. On se retrouve dans ma chaise, donc avec Thomas qui vient de boire son petit biberon, il est en coma milk, puis c'est ça, donc on va prendre ça, je vais conclure mon vlog. Et on va prendre ça relax pour le reste de la soirée parce que souvent vers 7h, c'est l'heure des maux de ventre. Donc, ça ne donne rien que je vlogue. Puis après, on est dans le rush pour coucher Eva. Le Eva puis Matt s'endort. Bah, t'es pas contente? Donc, c'est ça. Je vais vous souhaiter une belle soirée, une belle journée. Puis on va se dire dans une prochaine vidéo. Bye!